Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Eh bien chers amis, aujourd'hui une émission un petit peu particulière, je voulais rendre hommage à un compositeur pas très très connu mais que j'aime beaucoup, c'est Charles de Berlioz, Charles Auguste de Berlioz, qui est né en 1802 et qui est mort le 8 avril 1870, donc ça va faire tout juste 150 ans cette semaine. Eh bien, pourquoi Charles de Berlioz est-il important? Eh bien, il est important parce qu'il a quand même fait partie de cette fameuse école franco-belge de violon qui a rayonné sur tout le monde violonistique au 19e siècle et même au 20e siècle, on va le voir tout à l'heure. Alors, je vous propose de commencer par l'intégralité d'un concerto de Charles Auguste de Berlioz. C'est le premier de ses concertos en ré majeur, opus 16. Il nous est interprété par Takako Nishizaki au violon, qui est accompagné par l'orchestre de la RTBF de Bruxelles que dirige Alfred Walter. Thank you.
Voilà, c'était l'intégralité du concerto pour violon numéro 1 de Charles-Auguste de Berlioz. J'ai voulu vous le mettre dans son intégralité parce qu'il n'est pas très très long et que de toute façon c'est un seul et unique mouvement, tout est enchaîné. Charles-Auguste de Berlioz a quand même une certaine notoriété au 19e siècle parce qu'il a été l'amant d'abord, puis le mari d'une très célèbre cantatrice qui s'appelait Maria Malibran, cantatrice qui a défrayé la chronique pour ses nombreux mariages, pour sa liberté. C'est une femme qui savait nager, qui montait à cheval, etc. Elle en est même morte de monter à cheval puisqu'elle a fait une mauvaise chute de cheval alors qu'elle n'avait que 28 ans. Et elle a été la maîtresse de Berlioz de 1829 jusqu'à sa mort en 1836. Maria Malibran, donc, dont on disait qu'elle avait une voix absolument magnifique. Et Maria Malibran, je vous propose d'entendre une petite composition qu'elle avait réalisée. C'est un air en quelque sorte alternatif pour l'élixir d'amour, le fameux opéra de Donizetti. Alors voici ce petit air Prendin per me sei libero de Maria Malibran, écrit donc pour l'élixir d'amour de Donizetti, interprété par Cecilia Bartoli et l'orchestre La Scintilla, dirigé par Adam Fischer. A quel piacere, a quel piacere, a quel piacere, a quel piacere, a quel piacere.
Vous venez d'entendre un petit aria de Maria Malibran. Maria Malibran, qui était donc l'épouse de Charles-Auguste de Berlioz, compositeur et violoniste de l'école franco-belge de violon, à qui cette émission est consacrée. Eh bien, cette école franco-belge de violon, cette école française en tout cas de violon, elle est largement antérieure, puisqu'on la retrouve dès la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, avec des compositeurs comme par exemple Jean-Baptiste Sénayer, dont je vous propose d'entendre un extrait, le quatrième mouvement, le presto final d'une sonate pour violon et basse continue, numéro 2, donc de Jean-Baptiste Sénayer, par Odile Édouard au violon, accompagné de Freddy Eichelberger au clavecin et Emmanuel Jacques au violoncelle. Entendre donc le presto final d'une sonate pour violon et basse continue de Jean-Baptiste Sénayer. C'est un compositeur de la fin du règne de Louis XIV et du début du règne de Louis XV, puisqu'il est né en 1688 et qu'il est mort en 1730. On va revenir au 19e siècle avec Pierre Rode. Pierre Rode qui a enseigné le violon à Charles-Auguste de Berlioz. Pierre Rode qui a été l'un des premiers professeurs de violon du Conservatoire de Paris, créé, je vous le rappelle, à la Révolution. Pierre Rode, compositeur né à Bordeaux en 1764. Et mort en 1830. Voici la Sicilienne de son cinquième concerto pour violon en ré majeur, opus 7, par Friedrich Eichhorn à l'archet, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Iéna. Et tout ce petit monde est placé sous la baguette de Nicolas Pasquet. Thank you.
Vous êtes toujours sur RVL 103.1, nous poursuivons cette émission consacrée à Charles de Berriot et à l'école franco-belge de violon, ou l'école française de violon, avec un autre représentant, après Pierre Rode, un autre représentant de l'école française de violon, c'est Jean-Marie Leclerc l'aîné, compositeur qui est l'exact contemporain de Jean-Philippe Rameau. Il est né comme lui en 1697 et il est mort comme lui en 1764. La différence, c'est que lui, Jean-Marie Leclerc, est mort dans des circonstances tragiques, puisqu'il a été assassiné et qu'on n'a jamais retrouvé son meurtrier. Voici donc le premier mouvement Allegro Moderato de son concerto pour violon opus 7 numéro 5 en ut majeur par Simon Standage, accompagné par le Collegium Musicum. Thank you.
C'était le premier mouvement du concerto pour violon, opus 7 numéro 5 de Jean-Marie Leclerc, l'aîné. Et notre Ludwig van de la semaine, eh ben le voici, le voilà, avec une sonate consacrée, une sonate pour violon et piano bien évidemment, consacrée ou plutôt dédiée à l'un des grands maîtres de l'école française de violon de l'époque. Il s'agissait de Rodolphe Kreutzer. Voici donc la sonate à Kreutzer de Beethoven, ou plus précisément le final, le presto final de cette sonate à Kreutzer par un des derniers représentants de l'école française du violon, puisque l'école française de violon existe toujours. Renaud Capuçon en est un exemple notamment. Là j'ai choisi Christian Ferras, le violoniste Christian Ferras, avec son complice pianiste Pierre Barbizet, dans un enregistrement qui doit dater, me semble-t-il, de 1958, de ce final de la sonate à Kreutzer de Beethoven. Thank you.
Voilà, c'était notre Ludwig van de la semaine avec le final de la sonate à Kreutzer, donc de Beethoven. Retour à l'école française de violon ou l'école moderne, la technique violonistique moderne, initiée par quelqu'un qui est à l'origine un musicien italien, c'est Giovanni Battista Viotti, qui est né en Italie, qui est mort à Londres, mais qui a séjourné à Paris à partir de 1782. Voici le mouvement lent, très calme, Adagio non tanto, de la symphonie concertante numéro 1 en fa pour deux violons de Viotti. C'est Roberto Baraldi et Alberto Martini qui sont tous les deux au violon et qui sont accompagnés par l'Accademia dei Filarmonici que dirige Aldo Sicillo.
Nous venons d'entendre le deuxième mouvement, le mouvement lent d'une symphonie concertante de Jean-Baptiste Viotti, symphonie concertante pour deux violons. On poursuit avec un éminent représentant de l'école franco-belge, cette fois-ci de violon. C'est Eugène Isaïe, très grand violoniste et grand compositeur qui a été enseignant, qui a enseigné le violon notamment à des gens comme Yehudi Menuhin par exemple. Eugène Isaïe, qui est né en 1858 et qui est mort en 1931. Voici une de ses compositions, Rêve d'enfant, par Célimène Daudet et Amanda Favier. Vous venez d'entendre Rêve d'enfant de Eugène Isaïe, ce fameux violoniste belge de l'école franco-belge de violon. Eugène Isaïe a été lui-même élève de Vieuxtemps, Henri Vieuxtemps, qui était lui-même un élève de Charles Le Berrio. Comme quoi la boucle est bouclée. Et ben justement, nous allons écouter pour finir cette émission une œuvre de Henri Vieuxtemps, compositeur qui est l'exact contemporain de Flaubert par exemple ou de Offenbach, puisqu'il est né en 1820 et il est mort en 1881. Voici le rondo final, l'Allegretto.
de son concerto pour violon numéro 6 en sol, donc le sixième et dernier de ses concertos pour violon, opus 47. Et c'est encore un digne représentant de l'école franco-belge de violon qui nous l'interprète, puisqu'il s'agit de Gérard Poulet. Il est accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Liège et de la Communauté Française, et l'ensemble sous la direction de Pierre Bartholomé. C'est donc avec ce final du concerto pour violon numéro 6 de Vieux Temps que je vous souhaite une agréable fin de dimanche, une très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Classe Classique. Thank you.